de résentiver le village. On va voir ce que ça va donner. standard. On va voir ce que ça donne. Ça fait très longtemps que je l'attends. Puis. Si je conquis par des bois, on va le prendre. C'est parti. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent! Rose est ici. Et ben, une vieille sédile. Bon, on va voir ce que ça va donner tout ça. Ok. Chimique. Ok, fluide chimique, c'est pour créer des sons. Couteau. Et un pistolet. Ok. Poudre d'or seront pour faire des munitions de pistolet. Ou munitions tout court. D'accord. C'est verrouillé. Ces chèvres protègent le village, c'est bâti. Ok. Bon, j'avais juste lancé vite fait la démo. Alors, il y avait une petite chèvre, tu pouvais la casser au couteau. Et j'ai pas fait plus après. Juste pour voir si ça passait dessus le PC. Ok, là aussi, c'est fermé. Là, il y aura certaines choses à mettre dedans. Ah, pareil. Une sorte de fœtus entouré de ciel. Et ben. Relief, ok. Là, ils sont où? Ah ok, ils sont pas dans l'inventaire. On peut voir quelque chose? Non. Et examiner. En tout cas, ça va être joli le jeu. C'est une belle claque visuelle en tout cas.
Ça sent déjà la merde. Je vais bien voir où il est. Ces puissants. Il arrive à la ferraille. Vite, la porte, s'il te plaît. Fermez la porte. Vite. Hé, vous faites quoi ici? Approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. Oh. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Ok. Ok. Pas enjambé. Ouais, super. Comme un fluide chimique. Oh, des jottes. Bon, pas le plus esthétique, mais... Putain, il y a des trésors et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le grand marchand. Putain, c'est stylé, ça. C'est ça de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Hé, hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre! Eh ben, ils l'auront bien mouché. Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme. C'est qui, lui? Mon ami! Laisse tout est. Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger! Mon père a besoin d'aide! C'est pas mon problème! Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous! Allons, ces gens sont nos amis! Allez-y, entrez! Venez, par ici! Vous n'êtes pas de ce village? Non, moi c'est Ethan. Julian, rends-toi utile! Il va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. Ok. Par contre, je voulais juste voir quelque chose.
Cette image par seconde, si on peut la voir. C'est trop loin, ça part. J'arrive pas à la voir pour une fois. Bon, tant pis. J'y arrive pas. C'est pas grave. Ouais, ça marche pas. Je voulais juste voir le nombre d'images par seconde. Parce que j'ai pas vérifié, mais tant pis. En plus, cette démo est en temps limité, alors. Faut même pas perdre trop de temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Suivez-moi. Bon, d'accord. J'aurais pas le temps de lire le bouquin. Enfin, de regarder les images plutôt. Venez, les autres nous attendent. C'est qui, lui? Un étranger? Vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y'a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri! Tous les connards dehors se sont fait triper! Et demain... Et demain, ça sera toi. On sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais l'enveilleuse, Roxana! Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Et le vieux, vous voulez pas le soigner un peu? Il y a d'autres salons mal en point. Puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, j'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. J'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi!
va nous tuer. Il va nous tuer. Venez. Vous avez fait le bon choix. Elena, Elena, non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tu risques de s'effondrer ! Non ! Vous ne pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule ! Non, non, on va sortir d'ici tous les deux. Et ben. Ah, t'as toujours la touche parade, ça c'est bien ça. Ok, y a rien. De l'argent, j'arrive pas à le prendre. Voilà. Si t'as besoin d'un tournevis, prends celui qui est dans le porte-clés. Ok. Bien entendu. Cartouche de fusil. Et lui, le feu à pompe. Ce serait drôlement sympa. Oh, une plante. Du coup, je peux confectionner quelque chose enfin. Ok. Ah. C'est un peu même à le cul. Ah, le feu gagne du terrain. Je vais tenter quelque chose. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça, ton Resident Evil 7 avec Monsieur Baker, avec la voiture. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a pas le choix, faut monter. Venez, vite. Allez. Ça va aller. Essayez de ne pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. Mmh. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Non, non, non. Tout va bien.
On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Il me reconnaît ! Papa ! C'est trop dangereux ! Bougez pas ! Tenez, attrapez ma main ! Ethan, partez ! Sauvez votre fille ! Elena, regardez-moi ! Donnez-moi votre main ! Putain de merde ! Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt ? Elena, c'est horrible. Ah non, tiens, je commence à un peu m'attacher à elle. Ça, c'est pas drôle ça de faire mourir les gens comme ça. Exactement. Je comprends pas. Bon. À part sortir par la fenêtre, je peux rien faire d'autre. C'est un cauchemar. Interagir. Tournevis ? Ah oui, d'accord, ok. Tant pour moi, j'avais pas vu. Oula. Ok. Bon, ici on a la porte avec les emblèmes. J'aurais une bonne idée. Putain, plus les monstres qu'il y avait avant. La mort. Oui. La mort au tchèque. La mort leur a tous rendu visite. Pas la flinguer celui-là. Non, ça n'a rien à voir ici. Là, je sais pas ce que je dois utiliser. Aucune idée. J'imagine que ça mène au château. Ah, qu'est-ce que c'est dedans là ? On sent un truc comme ça, je dirais. Ouais, c'est sympa de le remettre à peu près correctement quand il est bon. Un truc comme ça, ouais. Rien d'autre que le sang et la mort. Déjà, eh ben,
Après, c'est une démo. Ok. En tout cas, c'est sympa toujours le village. All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be dead. No, let me go! What the hell? Why? Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. Be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Putain. Eh ben, notre cher ami Chris, tu vas en avoir à expliquer des choses. Ok, alors du coup, ça c'était la partie. Village et il reste juste maintenant la partie château et j'ai que 27 minutes pour le faire. Je suppose qu'après tu peux plus y jouer. C'est un peu dommage que tu n'aies pas plus le temps de faire quoi. Donc surtout si des missions courtes quoi, au moins tu pourrais bien explorer le truc quoi. Bon, c'est parti pour la démo du château. Je suppose que c'est la suite après qu'on est rentré. Ok. Joli le verre. Ah, c'est un trésor, d'accord. Ok. Ok, la porte où ? C'était pas un levier ça ? Pas l'actionner ? Non ? Ok. J'ai toujours le pistolet
Et le couteau. Ok, là il faudra un crochet. Ok, ça s'ouvre. Bon. Pas le choix, on va passer là-dedans. Oh, bonjour les rois. De la ferraille pour craft des munitions. Putain, c'est costaud. En tout cas, elle est jolie la bague. Pas examiner quelque chose. Ah, j'avais. Ok, œil écarlate. Courir. Quoi, je devrais courir? En général, quand ils te proposent de courir, c'est qu'il y a un problème déjà. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Sauveur ancien, des écrits de sagesse à ses côtés. Vous m'attendez? J'avais dit, ça me paraissait un peu trop simple. Oula, oh, comme nous nous retrouvons! Vous? Qu'est-ce que vous faites là? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment d'ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu ? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil ? Sait-on jamais ? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Putain, il est immense. Je pensais pas qu'il était autant grand et enveloppé. Puis-je choisir quelque chose pour vous ? Du coup, j'ai du nouveau en stock. Je suppose que c'est les trésors. D'accord. Ok. Votre argent. Du coup, je peux améliorer. Puissance, cadence de tir. Ok. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Augmente le nombre de placements, d'accord. C'est quoi? Ah, c'est la formule pour créer les munitions, d'accord. Ok. Écoute, on va prendre déjà un bon vieux fusil à pompe au cas où. C'est un investissement, Ethan. Puis on peut améliorer, je pense. La puissance des flingues. Et puis bah, je pense qu'on est bon. Hein. Bonne journée. Oui, bonne journée, c'est ça. Déplacer. On peut faire pivoter. Ok. Alors, tout en haut, ça serait sympatoche. Ça qui gêne. Voilà. Ça me convient. Tournez. Des choses à faire plus tard.
Mais c'est le buste. Il se casse pas. En vrai, j'ai trop peur de me faire attaquer par surprise, ça me fout trop les boules quoi. Alors, une plante. Bonjour le téléphone. Bella, Cassandra et Daniela. Ça remonte. C'est aussi verrouillé. Bon, bah, pas trop le choix. On va monter là. Putain, c'est joli. On peut pas dire mieux là. C'est verrouillé. Ok, ça me promène le. Ça roule. Entendu une porte. Ah, salut Maxime. J'ai pas vu le chat. Bah t'inquiète pas, de toute façon je le retranscris sur YouTube, du coup tu le verras en entier ce qui se passera quoi. Fait depuis quand que t'es là? Il marque pas l'heure de. Oh tant pis c'est. Ça fait longtemps que t'es. Que t'es arrivé sur le stream? Enfin, ou à partir de quand? Est-ce que je vais éterner la démo du village à ce moment-là? J'ai pas fait gaffe sur le coup. Bon, voilà, Charme Oeil. Bon, ça va être pour toi, je pense. Tiens, je te le rends. Allez, c'est cadeau. J'ai pas disséqué un homme. Oh putain. Laisse-moi te pendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vif, tu préfères quoi? Je préfère quoi? Oh, je ne peux plus m'en tenir. Je sais pas où j'ai, mais en tout cas j'y vais. Oh putain. Je dirais que je suis en sécurité. Enfin, temporairement. D'accord, ok, ça. Là, tu viens d'arriver pour. Ouais, ok. Bon, j'ai pris vraiment le chemin au pif, alors je sais pas si on pouvait lui flinguer ou machin. J'ai préféré fuir. Mon instinct me disait qu'il fallait fuir. T'as déjà même. J'allais. Oula! Ok. Ok. C'est. Putain. Elle est grande quand même. Je peux la rejoindre? Bien sûr que non. Ok. Non, qu'est-ce que tu dis de beau? Ok.
pas vu la saison. Ouais, mais comme dit, je le retranscris sur YouTube, je suppose. Vu que j'ai trouvé le moyen. Voilà. Qu'est-ce que... Elle est sympa, la salle. Oui. Oui. Ah. Ah, faut vraiment faire... Ok. Je pensais que c'était qu'un jeu, mais non, en fait... Crois en la lumière. Ah, ok, il y a une porte, j'ai pas vu. Tiens, il fait noir. Ah, merci, monsieur la lampe torche. Eh ben. C'est quoi ces appareils de torture en forme de cochon? Eh ben, ça part répétition tout ça. Bon, je me dis que ça fait des 45 minutes, alors j'espère qu'en un quart d'heure j'arriverai à terminer ce truc. Parce que du coup, je sais pas si au bout de 60 minutes, c'est est-ce qu'il faut juste tout recommencer ou pas. Parce qu'il me semblait que quand j'avais fait la démo de... je crois que c'était celle, ouais, c'était celle de Resident Evil 2 Remake. Je crois qu'une fois que les 30 minutes étaient terminées, tu peux plus le refaire du tout, je crois. Et ça, franchement, c'était vraiment moche, quoi. On va essayer de pas trop traîner. Petit vorace, petit vorace. Reprends parfois conscience, ok. Oh putain. Tout m'a fait peur. Petit coquin. Un truc me dit que ceux qui sont déchirés, qui sont libérés et qui sont un peu en vadrouille. Si ça, je dis rien, mais... Peut-être que je suppose. Alors, fluide chimique... Bah, parfait. Hop là, une petite herbe. Enfin, une petite potion. C'est où, ici? Pas de beau, hein, la ferraille. Pièce détachée. Bon, le monsieur là, il fait un peu stressé là. Oh bonjour. Putain, j'ai comme une merde. Putain, mais crevé. Combien de balles, putain? Pas savoir, oh putain, il y en a plein. Oh là là. Oh putain. Oh, au secours. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai rien, je n'ai rien. Ils savent monter. Yeah. Moi, je pense que ce sera tout.
Alors, je sais pas si c'était juste une phase ou... Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Encore ? Qu'est-ce que t'as envers moi, toi ? Tu es au menu. Ah, lâchez-moi les moumouches. Ma gueule a l'air toujours être verte. Je sais pas si eux ils me font quelque chose ou pas. Il me faut du sang. Ouais, du sang. Chaud, humide, du sang. Où est-ce que tu vas, petit coquin ? Non, salut. Ok. Tu brûles ? C'est tout ? Ok. Ah putain, c'était drôlement court. Je m'attendais un peu plus, mais... Du coup, ils vont m'en sortir la même bande annonce que j'ai eu avant. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais, c'est la même chose. On peut le passer le truc. Ouais, j'ai pas l'impression. On peut pas le passer. This may. Oh no, they're coming. Who is? What the hell was that? Moi, je trouve ça con, je peux pas passer le truc de la démo. Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Is this all that's left from your entire village? All that's left? Bah, oh, j'ai pas vu tout. J'ai pas vu tout ce que t'avais marqué au début. Je peux pas voir le chat à côté de moi. Je vous ai dit que. Et tout. Mais ouais, pour l'instant, je suis. Ça me plaît. Ça me plaît, et surtout, à voir du coup l'histoire du jeu. Parce que, mais par rapport aux vidéos que je voyais et les démos, j'ai l'impression que les démos étaient bien plus courts, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression que. Qu'ils étaient plus longs que ça. I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Merci d'avoir joué. Accéder au magasin en ligne. Moi, non, je ferai ça après. Blablabla. Voilà. Et du coup, on a terminé les deux démos. Et puis c'est tout bon. Moi, il me restait 10 minutes au compteur, mais j'ai l'impression que dès que les 60 minutes sont morts, quoi, tu peux plus y jouer en fait. Putain, c'est con ça quand même. Bon, heureusement que la démo est gratuite quand même. Ok, bon, bah je vais m'arrêter là sur cette live quoi. Et puis, vu que là il passe bien sur mon PC, bah
Je le prendrai. Je pense à sa sortie. Je ne sais pas. Je verrai. Alors, du coup, je vais un peu lire ce que t'as marqué sur le chat. J'ai pas trop lu. Du coup, t'en fais compte, t'avais pas eu le temps de tenir la démo à cause des 60 minutes, c'est ça? C'est un peu que tu pourras avoir dans le jeu. Ouais, d'accord. Un cheat code payant. Ah bon? Bon. En tout cas, la démo était sympa. Très courte mais sympa. Alors je sais pas s'il y a des trucs alternatifs que je pouvais faire, mais bref, on verra ça dans la version finale du jeu, quoi. Voir ce que ça donne. Et sur ce, ciao ciao tout le monde, j'arrête le live. Oui, avant que je coupe le live, oui Maxime, je streamerai le jeu quoi quand je l'aurai quoi. Enfin quand il sortira et que je l'aurai.